fondement des apôtres. Et nous savons, Seigneur, que le fondement des apôtres, c'est toi. Car il est écrit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Christ, savoir Jésus-Christ, le Seigneur de toute la terre. Merci infiniment pour cette opportunité. Merci Seigneur parce que nous avons encore la respiration. Merci parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Merci pour la parole, merci pour l'évangile, merci pour la parole de la vérité, merci pour la révélation de ta parole, merci pour cet esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Merci pour nos frères, merci pour nos sœurs, merci pour tous ceux et celles qui ont accepté, Seigneur, d'examiner cette parole, d'examiner, de voir si ce que nous disons est exact selon la parole. Et merci aussi, Seigneur, pour tous ceux et celles qui n'ont pas accepté d'examiner. Mais je te demande, au nom de Jésus-Christ, de les accorder cet esprit de sagesse, afin, Seigneur, qu'ils puissent vraiment prendre le temps d'examiner au nom de Jésus-Christ et de voir surtout si ce que nous disons est exact. Père, merci infiniment. Bénis ce moment. Bénis notre technicien. Bénis nos frères et sœurs. Bénis tout le monde, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et bénis ce moment. Père, merci et nous t'aimons. Nous t'adorons. C'est ainsi que nous t'en prions. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire. Ainsi nous t'adressons cette prière. Merci Seigneur. Amen et Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, que j'aime de tout mon cœur et que d'ailleurs je salue par un saint baiser d'affection, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce, comme toujours, de pouvoir vous présenter votre mission, indigne que je sois. Donc, nous bénissons le Seigneur, parce que toujours, il nous accorde sa grâce. Il nous permet de vous dire ce qui est vrai, ce qui est écrit. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais vous le dites. Vous le savez. Parce que nous vous prouvons tout ce que nous disons. Et nous répondons, selon la grâce de Dieu, toujours à vos questions. Donc c'est pour cela que nous sommes très contents de vous retrouver encore sur ce plateau. Nous saluons nos sœurs, nos frères qui sont à travers le monde, qui vont regarder cette émission juste après. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth par un saint baiser d'affection. Et je vais vous demander une chose, ma bien-aimée, vous qui regardez, soit maintenant ou qui vont regarder juste après, par les compassions de Dieu, j'aimerais vous demander cette faveur. Laquelle? Ce que j'aimerais vous demander, c'est de prendre le temps et toute l'attention de comprendre ce que nous disons et ce que nous enseignons. Ne précipitez pas sur ce que nous disons sans que vous ne compreniez pas. Vous devez comprendre d'abord et après, vous pouvez commenter. Si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, vous avez la possibilité de me contacter et de me questionner là-dessus. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent « Je suis disponible au dialogue » et ce n'est pas vrai. Ces gens ne sont pas disponibles au dialogue pour de vrai.
Je peux comprendre, des gens me disent souvent, frère Patrick, il faut contacter tel ou tel leader. Mais ce que vous ne comprenez pas, mes bien-aimés, c'est que ces leaders ne vont pas accepter de dialoguer ou de partager avec vous. Parce que quand nous allons arriver dans la parole, ils vont se rétracter. Ils vont se mettre en colère. Ils ne vont pas pouvoir discuter selon la parole. Parce que ces gens-là ne peuvent pas utiliser la Bible. Parce que ce n'est pas la Bible qui est leur boussole. Leur repère, ce n'est pas la Bible. Mais c'est plutôt leurs idéologies, leurs connaissances théologiques qui est diabolique, qui n'est pas de Dieu. Cette connaissance théologique n'est pas de Dieu. Et quand vous allez dans la théologie pour étudier, cette étude n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez des hommes qui sont des docteurs en théologie qui sont des ignorants totaux sur le plan spirituel. Parce qu'ils ne connaissent rien à propos de Dieu. J'ai pu constater des commentaires que vous avez laissés pour moi. Et comme je l'ai toujours fait, j'ai pris le temps de bien lire vos commentaires. Et j'ai pu constater que beaucoup des gens qui laissent des commentaires, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Déjà, par leurs commentaires, on peut déjà déterminer quel type de personne qu'on a en face de soi. Parce que les raisonnements, c'est souvent que vous êtes des fanatiques. Vous n'êtes pas des chrétiens. C'est-à-dire des gens qui appartiennent à Christ. Mais vous appartenez à une dénomination, à un homme, à un pasteur, à un bishop, à un théologien. Parce que pour vous, le fait qu'un homme dit que j'ai un doctorat dans la théologie, vous dites c'est un homme de Dieu. Mais vous ne savez pas que c'est un maçon. Que cela n'a rien à voir avec Dieu. Cela n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour cela que la plupart d'entre vous, vous m'insultez. Je n'ai aucun problème avec vous, avec vos insultes. Aucun problème. Parce que je sais qu'un jour, vos yeux s'ouvriront. Et à ce moment, c'est à ce moment que vous direz ou vous prononcerez cette phrase. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Des gens disent que je travaille pour un clan. Alors, si je me permets de vous poser la question, pour quel clan que je travaille? Allez-vous pouvoir me répondre? Me répondre en disant vous travaillez pour tel clan? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que pour les gens pour lesquels que vous pourriez dire que je travaille, je les dénonce. Je ne les reconnais pas comme des hommes de Dieu. Parce que j'ai une Bible. Je sais ce qui est écrit. Ce n'est pas la pensée d'un homme qui m'intéresse. Ce n'est pas non plus les témoignages d'un homme qui m'intéresse. C'est tous les gens disent que j'ai été appelé. Tous les pasteurs disent que j'ai été appelé. Ce n'est pas ça mon problème. Je n'ai pas besoin de savoir que vous avez été appelé. Je veux le découvrir moi-même. Je veux le découvrir et savoir. Dieu doit me dire si vous avez été appelé. Lorsque j'avais fait l'émission sur ce soi-disant pasteur, vous pensez que j'ai précipité pour faire une émission?
Parce que des gens me disent, oui, est-ce que j'avais contacté ce monsieur avant? Parce qu'il y a un soi-disant évangéliste qui m'a laissé un commentaire, il avait laissé son numéro de téléphone. Alors, quand j'ai vu les commentaires que ce monsieur m'avait laissés, je me suis dit, je dois contacter ce monsieur-là. Parce qu'il sait s'exprimer comme s'il était un homme qui avait beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Je crois qu'il s'appelle Wodlin Darius ou quelque chose, comme ça. Mais c'est Wodlin, un certain évangéliste qu'on appelle Wodlin. Et j'ai contacté ce monsieur. Mais quand vous contactez ces gens, ils disent souvent qu'ils sont prêts pour discuter. Ce n'est pas vrai, mes téléspectateurs, mes frères et sœurs. Ce n'est pas vrai. Un homme qui est prêt à discuter, c'est un homme qui est prêt à prendre sa Bible et à discuter selon la Bible, non pas selon ses pensées. On va discuter sur un point, on va discuter le point et on va laisser la Bible nous expliquer le point. Ne me dites pas ce que vous aviez étudié ou vous êtes des théologiens, ça ne m'intéresse pas. Si vous êtes théologien, vous n'êtes pas chrétien. Les évangélistes bibliques n'étaient pas des théologiens. Ils étaient des hommes versés dans la connaissance de la révélation de la parole de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Et quand ils parlaient, on pouvait constater en eux l'Esprit de Dieu. Ils n'utilisaient pas des études théologiques éphémères qui n'ont rien à voir à la vraie parole ou à la révélation de la parole de Dieu. Et ce n'étaient pas des gens qui écoutaient des gens pour répéter après ce qu'ils ont écouté. Mais c'était des gens qui écoutent plutôt le Saint-Esprit. Et ces gens retransmettent ce qu'ils avaient reçu du Saint-Esprit au peuple de Dieu. Mais les gens que vous avez là, vous qui m'insultez, je sais que vous êtes des fanatiques, je n'ai aucun problème avec vous. Ce que vous me dites, ça ne me fait rien du tout. Parce que vous êtes tous des fanatiques, vous êtes tous des aveugles. Et la plupart d'entre vous qui vous m'insultent, vous n'êtes même pas convertis. Parce que vous n'êtes pas baptisé. Ce monsieur-là qui dit qu'il est évangéliste, il n'est pas encore baptisé. Et quand je discutais avec lui, d'après la Bible, il ne pouvait pas répondre à même une seule question. Il avait sa Bible. Il ne pouvait pas ouvrir sa Bible. Alors lorsque je lui questionnais à propos de la parole de Dieu et à propos de son soi-disant baptême, comme il n'est pas baptisé, il m'a dit maintenant allons dans la christologie. Alors je lui avais demandé, mes frères, regardez dans ce verset-là que tu viens de me donner. As-tu vu ce qu'on appelle christologie? Je dis, tout à l'heure tu vas me dire que allons dans la théophanie, l'épiphanie. Hein? Le christocentrique. Ce sont des thèmes que les théologiens ont inventés. Et ils ont attribué ces thèmes à la Bible. Sans que ces mots, vous ne pouvez pas trouver ces mots bibliquement dans la Bible. Parce que lorsqu'un homme est allé étudier la philosophie des religions, c'est juste que ce monsieur vous dit qu'il est allé étudier la démonologie. Il est allé tuer les démons. Étudier les démons, les esprits démoniaques. Avec qui il travaille. Mais ce n'est pas étudier Dieu. Parce que si vous pensez que votre connaissance intellectuelle, c'est la connaissance de la parole de Dieu, vous faites erreur. Ça n'a rien à voir avec la connaissance de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, vous avez un exemple, l'apôtre Paul. Et c'est la raison pour laquelle il avait parlé ainsi dans Philippiens 3. Donc, quand vous pensez, le fait que vous avez un bac plus 40 en théologie, vous pensez que vous avez la connaissance de Dieu, venez, vous qui avez un bac plus 40, appelez. Et montrez-moi ce que vous avez comme la parole de Dieu. Le téléphone est prêt, vous pouvez appeler si vous voulez. 05 90 29 05 77. Appelez, dites-moi ce que vous avez comme la parole, comme connaissance, comme révélation.
et laissons la Bible nous expliquer la Bible. Parce que je sais que vous ne savez rien. Et ce n'est pas pour aucune raison que vous ne savez rien. C'est juste parce que Dieu ne s'étudie pas. Mais Dieu se révèle. Donc si Dieu, ce n'est pas révélation qu'on peut connaître Dieu. Mais si vous avez été à la théologie, vous avez été à la théologie pour étudier les démons, étudier comment voler, comment escroquer, comment baratiner les gens. Mais ce n'est pas comment prendre soin du troupeau du Seigneur. Cela n'a rien à voir. Regardons, bien-aimés, Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Nous allons regarder comme Paul, hein, l'apôtre Paul, nous avons un bon exemple d'un homme qui avait de la connaissance de la Torah, une connaissance complète et totale. Est-ce qu'il avait utilisé cette connaissance? Est-ce qu'il se vantait de cette connaissance? Comment prenait-il cette connaissance de la Torah lorsqu'il avait reçu Christ dans sa vie? Et c'est ça. Donc, par cela, nous allons comparer la connaissance des études théologiques avec la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. Et nous allons faire la différence. Alors, regardons dans le chapitre 3, Philippiens. Le verset 1, il dit, mes bien-aimés, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, frères, ce n'est pas pour le monde, mais pour vous, chrétiens sanctifiés, ce n'est pas pour le monde. Ce n'est pas pour les catholiques, les témoins de Jéhovah. C'est pour vous, frères en Christ. Parce que les apôtres, les disciples n'ont pas été des témoins de Jéhovah. Puisque les témoins de Jéhovah ont reçu ce nom, témoins de Jéhovah, en 1931. Donc, regardez, 1931, ce n'est pas trop loin. On peut comprendre cela. Donc, ce n'est pas pour vous. Mais pour les chrétiens sanctifiés, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Ce chien-là, ce sont des gens qui font des études théologiques pour escroquer et pour détourner le peuple de Dieu de la vérité, pour falsifier la parole à leur profit et pour leur ruine. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ces gens qui voient leur tête, leur famille, leur vie avant le peuple de Dieu. Prenez garde aux faux circoncis, c'est-à-dire ces gens qui se disent être baptisés, qui ne sont même pas baptisés pour de vrai. Prenez garde à ces gens, aux faux circoncis, parce que le vrai baptême biblique, ce n'est pas ce que vous avez reçu. Parce que pour être disciple, il faut que vous soyez baptisés selon le modèle biblique pour le pardon de vos péchés. Et il y a une seule façon, un seul moyen qui existe pour que vous ayez le pardon de vos péchés. Acte 2:38 le déclare clairement. Maintenant, il est dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Dites-moi, si vous n'êtes pas baptisé selon le modèle biblique, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit, parce qu'il est clair. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas le pardon de vos péchés, donc le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le recevoir non plus. Donc on est clair là-dessus. Quand on parle des faux circoncis, hein, des faux juifs, donc on parle de faux chrétiens. Parce que quand le peuple disait qu'ils étaient circoncis, donc, par exemple, si nous prenons l'exemple d'Abraham,
quel que soit le peuple qui voulait faire partie du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ce peuple-là devait se faire circoncire. Et sans la circoncision, vous ne pouviez pas vivre au milieu du peuple d'Israël. Vous ne pouviez pas faire partie de ce peuple sans la circoncision. Maintenant, des gens se disent être circoncis. Prenons, attribuons cela à notre siècle pour l'Église. Des gens qui se disent être baptisés ou être chrétiens, qui ne le sont pas, mais qui mentent, comme Apocalypse 12 le dit. Donc, qui se dit être baptisé, mais qui ne sont pas baptisés. Donc, si vous êtes baptisé, comment vous êtes baptisé? C'est pour ça, quand vous voyez, c'est pour cela, quand vous voyez ces hommes-là, ces gens-là qui se disent être des chrétiens ou des pasteurs, ils ne sont pas des pasteurs, ils sont des professionnels. Ce sont des professionnels, ce sont des entrepreneurs, ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce ne sont pas des évangélistes, ce sont des professionnels. C'est pour cela que ces hommes sont attribués à toutes les choses, enfin, ils sont attribués aux choses du monde. Ils sont dans la politique, ils essaient de l'État à améliorer le monde, à travailler pour un monde meilleur, ce qui est complètement faux. Donc, on peut comprendre cela. Maintenant, dans la Bible, nous avons trouvé le contraire de ces choses-là. Et c'est pour cela, quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin beaucoup de temps pour discerner et comprendre qui est un homme de Dieu ou qui n'est pas un homme de Dieu. L'homme de Dieu se réfère toujours à la Bible. Il ne parle pas selon lui-même. Il ne dit pas ce qu'il pense. Mais ils disent tout simplement ce qu'ils ont reçu de Dieu, reçu de la parole de Dieu. Non pas des études, non, mais de la parole. Quand on les questionne, ils prennent la Bible pour répondre. Ce n'est pas eux qui répondent selon leurs idéologies, mais c'est la Bible qui répond. Alors vous pouvez comprendre cela. Donc, ils disent... C'est nous qui donnons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, quand vous avez mis votre confiance en la chair, je vais vous expliquer quelque chose de très clair par rapport à ça. Le fait de mettre sa confiance en la chair, comment? Vous avez été en théologie, vous pensez que vous avez de la connaissance. Comme j'ai rencontré un monsieur, bon, c'était un monsieur, je ne vais pas citer ce nom, son nom, c'est quelqu'un d'ici. Il se prenait pour un homme qui avait la connaissance de la parole de Dieu. Je n'ai aucun problème avec vous. On y va. Donnez-moi ce que vous avez, ce que vous avez reçu de Dieu. Et comparons-les selon la Bible. Et je vais voir, est-ce que vous pouvez lire un verset? Et il ne pouvait pas lire même un verset. Parce qu'il ne savait rien. Pourtant, on m'a dit qu'il est un ancien de l'Assemblée de septième jour. Un ancien. Et il m'a regardé. Ah bon, tu es un docteur? Je lui ai dit, je ne suis pas un docteur, je suis un frère. C'est vous qui êtes docteur, c'est vous qui avez été étudié. Hein? Par des hommes qui ne sont pas des hommes de Dieu, qui sont des maçons, qui sont des frères de lumière, qui vous enseignent soi-disant Dieu. Vous allez étudier ça, c'est le ministère des cultes, le ministère des affaires étrangères, qui s'occupe des cultes aussi. Ce sont des gens-là, ces gens-là qui vous reconnaissent en tant que pasteur ou je ne sais quoi, qui fait de vous un pasteur. Or, un homme de Dieu, ces gens-là ne reconnaîtront jamais un homme de Dieu par des études. Mais c'est plutôt par ce que cet homme-là à offrir ce païen-là. Parce que les païens ne voulaient pas reconnaître Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu. Ils ne voulaient pas reconnaître Jésus-Christ en tant que Dieu.
on ne voulait pas reconnaître Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel en tant qu'homme de Dieu. Mais c'est lorsqu'ils prouvaient qui ils étaient vraiment, c'est à ce moment-là que ces hommes-là, ces hommes de loi, ou ces faux circoncis, ou ces impies, ils ont été forcés de reconnaître les hommes de Dieu en tant qu'hommes de Dieu. Oui, certainement, cet homme est un homme de Dieu. Oui, certainement, c'est le Fils de Dieu. Oui, certainement, c'est Dieu. Même là-haut, le là-haut là qui se trouvait, là où ils étaient sur la croix, ils reconnaissaient que Jésus-Christ était Dieu. C'est pour cela qu'il disait à son ami de l'autre côté là, hein, n'as-tu pas de la crainte pour Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Vous n'allez pas reconnaître un homme de Dieu comme ça. Vous allez être coincé pour reconnaître que c'est un homme de Dieu. Vous allez reconnaître cela. Je m'en souviens, j'ai souvent donné ce petit témoignage à mes frères et soeurs. Il y a ma grande soeur, elle ne voulait... C'est comme si je dirais qu'elle ne voulait pas me voir. Parce que j'étais chrétien. On était comme lait et citron. Quand je dis citron avec lait là, cela veut dire que dans le bon langage noir, citron avec lait. Pourtant, on vivait dans la même maison. Elle savait que j'étais chrétien. Souvent, quand elle m'insulte, elle me disait souvent, moi, j'ai le droit de t'insulter, mais toi, tu n'as pas le droit de me répondre. Elle avait raison. Je n'avais pas le droit de la répondre. Pourquoi? Parce que l'évangile n'était pas d'accord. Elle n'est pas d'accord à ce que je réponde à quelqu'un qui n'est pas converti dans ses folies. Mais au moment où elle devait me respecter en tant qu'homme de Dieu, parce que ce moment va arriver d'un moment à l'autre. Même là, mépriser, pas de problème avant, mépriser, m'insulter, non, pas de problème avant. Mais en vérité, je vous l'ai dit, le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul chemin, l'unique chemin. C'est sur ce chemin-là que nous devons passer pour parvenir au Seigneur. Donc si vous devez être sauvé, et moi, je suis sauvé, nous allons passer sur ce même chemin-là. Peu importe, nous allons rencontrer. Nous allons nous voir. Je vous le dis. Ça pousse à évangélique, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Allô? Oui, bon Dieu béni. Ou même tout, frère, moi. Oui, on est très content. Et m'a posé une question. Oui, en tant que mon serviteur de Dieu, et est-ce qu'on parle un parrain doit arriver l'eau pour poser une question? Oui, bien sûr. Soit il a posé une question, bien posé les gens, posé les gens. Est-ce qu'on parle un doit vous répondre? Oui, bien sûr. Bon. Depuis bien dans les possibilités. Qui l'a qu'à reconnaître tout le monde son serviteur, mon Dieu? Qui l'a qu'à reconnaître tout le monde son serviteur, mon Dieu? Numéro 1, il faut qu'on ça la Bible dit. Ça veut dire, si vous ne connaissez pas qui ça la Bible dit, la difficile pour reconnaître yon moun qui est serviteur de Dieu. Baissez la télévision là pour moi, numéro 1. Parce que n'oubliez pas, Jésus-Christ clair, il dit dans Matthieu 7 là, il dit, ou après reconnaître yon par fouille yon. Donc ça veut dire, homme de Dieu, de pour paraître sous lui, ou après son homme de Dieu qui est lié. Alors, je vais laisser ouais, comment tu es clair avec vous pour capable comprendre en quelques mots. Pardon? Je vais pas comprendre. Sans pas faire un paquet de littérature avec vous. Ok? Alors,
Dans Matthieu 7 là, il dit comme bon papa c'est lui plutôt mal et tout droit avec. Déjà le verset 15 il dit gardez-vous des faux prophètes. Parce que il y a venu avec en baissez-le sous moi souple s'il vous plaît. Il y a venu devant en vêtements de brebis. C'est peut-être ça faut connaître ça la parole de Dieu dit comment homme de Dieu a doyé. Mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Maintenant, comment déterminer à l'intérieur de Mounsa si vous n'avez pas connaissance de la parole de Dieu? Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que dim sauvle moun que Dieu parle, il n'y a pas qu'à produire fruits, Jean bon Dieu mandel là. Bon, passez vite fait pour me dire ça. Homme de Dieu, ce n'est qui respecte moun gelie. Ni femme de Dieu à tout. Ils sont monde qui très sensible par rapport à la parole de Dieu. Ils sont monde tout, toute sa vie c'est pour nous lier. Les paroles tête ni en premier. Il est disponible 24 sur 24 quand il s'agit c'est affaire bon Dieu. C'est pas rendez-vous monde prend pour une entrevue avec elle. À n'importe moment, il est disponible. Il est pas un monde qui a pillé monde pour plus pas chier pendant 7 ans. L'autre l'a mouru, l'a souffri. Il n'y a pas de monde non plus. Qui n'a pas bamboche à droite à gauche. Soit qui a coupé copine à côté. Il n'y a pas de monde qui a l'Haïti, il a deux, trois jours, il a l'Haïti, il a l'Haïti, il a l'hôtel avec jeune femme. Oui, mais bon, je vais comprendre tout ça de littérature féminine. Mais ça que ça moi bien qu'à comprendre en termes de serviteur peut-être tout même que au cas où serviteur bon Dieu au service bon Dieu mais nous allons avoir un l'aime besoin d'un rendez-vous en bas de nous. Est-ce que déjà pour rendez-vous avec parce que lorsque Jésus Christ est-ce que déjà pour rendez-vous avec écoutez ça m'a dit écoutez me place comme un serviteur. Mon gars là dit vous venez côté là on fait bon Dieu au travail pour bon Dieu dans champ et après l'ouvrier ça va me dire si ou pas ouais moi au cas où l'autre monde a tout grand monde dans champ mais ça va me dire c'est avec vous grand rendez-vous avec mon rendez-vous ça tout fixe non mon cap c'est Jésus-Christ ou pas comprendre moi non. On comprend ce qu'elle parle. Où vous comprenez-moi? La fois passée, moi-même, je suis toujours bien content de parler. Là où son serviteur, bon Dieu, on va prêcher l'évangile, on va prêcher pour sauver des hommes. Parce que où là, il faut semer des graines. Et là, semer des graines, il faut lever. Et si que pas de détaillé, qui ça m'a prêché comme l'évangile? Qui m'a annoncé? Qui m'a deviné? Parce que Jésus-Christ dit comme ça, si vous êtes serviteur, moi, au travail de moi, mais là, fait travail, moi, pour moi, qui ça va le faire? C'est qui ça a apporté Paul t'a le fait? Qui ça a apporté Jean t'a le fait? Et de côté, nous, qu'on allait au bateau, humilier, cracher dans la figure. Mais ça veut dire, serviteur bon Dieu, il faut tout comprendre, faire mon critique. Mais là, le critique, qui m'a nous pas le toucher? C'est pas rien. Et même il y a des côtés là, on voit où libre là, approcher l'évangile. Pas qu'à approcher comme ça. Lors il va en Afghanistan, lors il va y avoir des côtés, l'évangile pas qu'on entre. Ah, mais qui m'ont pas approcher? Ça veut dire qu'il y a des côtés là, toujours un beaucoup de problèmes. Si Jésus-Christ pas de problème sur vous, comme net, moi avant, pas de problème. Ça veut dire que moi, je ne dois pas passer à mon bagaille. Je ne dis pas que ça ne pas bon. Je ne peux pas critiquer lui. Ma dire ça le fait, c'est pas bon. Ma dénoncé ça le fait. On sait qu'on bagaille avant de dénoncer, ma parle avec lui. Parce que je veux sauver. Parce que maintenant, je veux faire un travail pour réussir le travail là. Mais si je dis mon nom, ok, je connais mon nom, son père, et pas un vrai. Mais pour me gagner par un, pour me gagner avec des mots douceurs, comme Jésus. Jésus. Donc, alors, bon, faut tirer tout là. Qu'est-ce que c'est ma petite ou Qui m'a parlé? Ok, on met fin de parler parce que là, on dit faut gagner par un avec des mots douceurs. Continue, on met fin de parler. Fin de parler. Lorsque Jésus-Christ fait, il va se sonner pour tout le monde. L'alpine va se sonner, qui ça le fait? Il dit,
ne pas abandonner nous faire. Ça veut dire même pas dans sous télé là, on prêche l'évangile. Donc tout le monde qui croit. Donc tout le monde qui pas croit, il y a monde qui pas croire dans 10 ans, il y a monde qui pas croire dans 5 ans, il y a monde qui croit maintenant. Mais ou même faut trouver des exemples même là à la télé, il y a des paroles qui font dans Bible là. Ou qu'a dit nous parmi assemblée, mais tout païen dehors à Kavini pour acheter en bas mes diables là, faut mourir. Parce que je vois toujours une faux prophète, il ne faut pas occuper. Faux prophète, là, il n'y a pas de Dieu. Et pas de Dieu, il n'y a faux frère. Pas de Dieu, faux frère. Même là, Jésus-Christ est arrivé dans le temple. Et même messieurs, oui, qui te bloqué Jésus-Christ. Et là, Est-ce que vous avez une émotion? Maman, là, Jésus-Christ est arrivé dans le temple. N'ayez pas de monsieur à l'école. Qui ça va faire mal? Je vais le livre de la loi à Bali. Mais qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, elle a commencé à parler. Parce qu'on connaît un petit peu de Joseph et Marie à l'école, il n'y a pas de connaissance. Mais qui est-ce qui va avoir une connaissance? Mais qui n'a pas jamais à l'école. Mais dès qu'elle accepte Jésus, place le Saint-Esprit dans lui-même, on dit les noms ça parle en côté, ça dit nous sommes philosophes. Ça ne veut pas dire ton pasteur, ça ne veut pas dire ton évêque. Mais le monde qui a parlé là, maintenant c'est Jésus. Et qu'on est assis Jésus bleu. Il peut en être quelquefois côté lui, il choisit, il regarde, il me déplace. Il parle pour moi. Et nèg là, il ne va pas dire Jésus, non. Parce que c'est Jésus qui roi des rois. Qu'on a bon faut ti bay, parce que là, ça fait longtemps qu'on parle. Bon dit ti bay. Et on dit que Jean parlait, c'est comme si m'a dit que il pas parlé avec l'évangile qu'a prêché là, il pas arrivé à atteindre païen yo parce que pas gain douceur. Est-ce que c'est ça vous le dit? Non, pardon, il pas gain douceur. Enfin, jusqu'à pour moi oui ou non pour me capable parce que même pas vouloir reprendre même dit pour commencer même discours quoi parce que besoin répondre après ma bon parler encore. Pardon, sur assemblée et sur télé là. Vous qu'attendez on monde relé. Il pose une question qui peut déranger. Qui ça nèg là, écoutez, bon don bagaille. Attendez, frère. Bon don bagaille, attendez. Bon, dernière parole pour dire. Avec la douceur, on prend mon nom, on parle de parole, là, on montre le chemin de l'évangile là, qui ça Christ fait, qui côté Christ est, comment te milieu pour sauver nous, on met comment qu'à sortir dans la situation là. Alors, gon bagay ke moi bibliquement ke me connais. Jésus-Christ lorsqu'il a prêché l'évangile frère, il pas béré personne moun. Parce que moi s'il t'a béré moun, il pas t'a cloué. Ni il pas t'a tué le tout. S'il ton nèg l'el vini, c'est caresser le t'a caresser péché ou bien caresser moun k'a fait des ordres, il pas t'a tué. Et là où il arrive dans moment pour crucifier là, il t'a une majorité. Mais Jésus n'a pas de majorité dans moment pour te crucifier là. Frère, m'a dit un bagaille. Ou te mettre beau pied moun dans niche pied pour faire comprendre l'évangile. C'est pas ça qu'a fait le coeur, frère. Peu importe le langage que tu as employé. Et l'homme n'a toujours un nous pas bon. Au lieu mal quitter cadre de l'évangile pour ne pas dire ça la Bible dit. Parce que je connais un pile monde devant, tout gayo compréhension différente. Je sais, mais n'oubliez jamais. Moun kap bay moun intelligence pour comprendre. C'est pas moi même qui li relè. C'est pas ou même li relè. C'est le Saint-Esprit qui fait moun comprendre. Donc maintenant, ça m'a dit, pour lui convaincre yon moun, c'est pas parce que moun konn parle. C'est pas parce que m'pa kèk pa jam t'a parlé ça pas jam fait. C'est le Saint-Esprit qui a vini qui a convaincu moun pour faire le coin. Paul m'a accès là l'entrée dans une synagogue juste à bas. Quand on paquette mesdames Oini. Paul a parlé. Yo seule femme dans mitan toutes mesdames yo que lui même qui arrivé quoi? Ou qu'on s'appelle quoi? Parce que Dieu ouvre cœur. Parce que Dieu ouvre, ou parce que Paul j'ai joué, elle t'a joué. Explique, elle t'a expliqué l'évangile, lui. Frère, m'a dit un bagage, les amis, tendez bien ça, Abdoula. Ou est-ce qui remet marché droite? Ou y'a tant de stack droit son plaisir pour y'a tendre pour y'a appliquer.
ou un vagabond, vagabond là. Ou te mettre expliquer l'ou revire, l'ou tourner, l'y pas j'entendre, l'y pas. De toute façon, tout soit dit la prend à l'envers. Jésus dit, je suis pas prêt, je suis Jésus-Christ remplit sagesse dans tout ça la paix. Jean-Baptiste remplit sagesse. Oui, même les Jean-Baptiste qui quand elle dit autre chauffeur pas bon. Même les Jésus qui entrent dans le temple, ils battent monsieur, ils mettent au dehors. C'est avec sagesse qu'il te fait lui, parce que ça l'a fait à l'évangile de confirmer lui. Jésus-Christ est entendu. Les Jean-Baptiste traitent le peuple à race de vipères. C'est avec sagesse qu'il te fait lui. Écoutez, les Jésus-Christ ça peut travailler. On qui n'a besoin de Jésus pas Christ papa dans sa veille. Mais c'est un même jeton. Ah mais écoute là c'est normal. Mon meilleur alcool, met alcool pour mon qui est malade. Oui, écoutez. Femme a dit à l'heure de mener devant Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit pour que ça revienne. C'est pour réparer vieille machine crasée. Alors, qui vient machine crasée la préparer, mais c'est machine qui connaît au crasé. Et sous son vieille machine ou pas qu'on ou crasé, Jésus la prépare. Attends. Jésus-Christ connaît tout bagay. Ça veut dire que Jésus-Christ connaît tout le monde qui va à servir à chaque pape servir. Pourquoi Jésus-Christ vient? Il n'est pas venu pour le monde qui guérit. Ah mais certainement. Malade. Ah mais c'est la même chose. Ça dit que le Christ est là. Du moment où l'attente de mes par exemple, Jean-Baptiste a parlé après le trace de vipère. Mon bon Dieu est là parce que l'entend de Jean-Baptiste dit ça n'est pas gloire à Dieu l'a dit parce que le compte ça Jean-Baptiste a dit elle comprend ni mais mon bon Dieu parle là Jean-Baptiste sont fous quand il regarde la palme manquer mon dégât attendez dis tout longtemps comme l'évangile aujourd'hui n'est pas même genre avec l'évangile avant parce que il y a trop croquer qu'on y a il pas fait sa bible amende directement c'est business n'est qu'il va faire regardez qu'on y a mon on dit mon cap dit la vérité c'est lié prend pour criminel c'est lié pour mauvais monde c'est lié l'habiter lapider. Mais les gens qui ont tout faux papier, qui ont fait toute vieille bagaille, qui parle bagaille sale, tout le monde connaît. Dans la rue, c'est lié au honneur en tant que monde. Bon Dieu, c'est tout à fait normal, c'est le monde à l'envers. Frère Patrick, écoutez, faut comprendre ça. Dans le monde là, c'est que 30% religieux, la majorité du monde sur la planète là, c'est taillé. Parce que pour rentrer dans l'évangile, l'évangile là, les gens n'entrent pas fait toute bagaille. Peut-être nous avons 30%, peut-être 25%, parce que nous avons levé nous avons 100 personnes. C'est 15-20 personnes dans le cap servi bon Dieu. Et bien parfois, il n'y a pas de servir bon Dieu du tout. Mais Jésus-Christ comme ça. Mais exactement, et ça fait tout. Jésus-Christ dit, l'a parlé, Bouébi qui a parti avec lui depuis autant de voies lui a bien joué. Ça veut dire, frère, peu importe. Ça, ouais, l'évangile s'est rapproché là. Ou après, il y a des gens qui ramènent, qui d'accord. Mais on voit des gens qui dégoûtent ça. La télévision lui ferme ça. Mais pourtant, on a des menti. Par exemple, les muscadets, il n'y a pas après mon propre plaisir pour le temps des muscadets. Ils doivent dégoûter tandem. Ils remettent des muscadets. Ils remettent des macos. Ils doivent remettre des faux pasteurs qu'ils connaissent. Faux pasteurs qu'ils recommandent qui sont très réputés. Non, ça c'est lui. Ils remettent en elle. C'est normal. Je vais prendre l'autre exemple. On va prendre une jeune fille. Un jeune fille qui ne doit pas coller avec parce que lui trouve trop bagaille pourtant on va qu'à mon pantalon sous fessier qui a fumé cigarette, c'est lui sent-il bien. C'est tout à fait normal. Chaque monde est côté adapté. Mais sauf que l'évangile, ça, il n'est pas pour les gens qui ne peuvent les sauver. Il n'est pas pour les gens qui aiment le monde. Il est pour les gens qui dégoûtent le monde avec tout système monde là. Et les gens s'attendent de l'évangile, ça, ils le retrouvent là-dedans parce qu'ils besoin sauver. Ou après, il y a des gens qui dégoûtent le monde, même en ville, pas tant envie de vivre dans le monde là. Donc, s'il le sauve, ou après l'évangile, il prend la débrouille. Mais les gens qui veulent pour plaisir, ou pas qu'à d'accord avec l'évangile ça. Mais l'évangile, là, approché, là, écoutez. Son évangile de miracle, qui ça Jésus-Christ qu'on fait? Il n'est pas de tant que bagaille là, c'est grave. C'est des miracles Jésus qu'on fait. Pour montrer les gens qui démonnent. Mais il faut comprendre, on approche l'évangile. Ça nous, il y a deux gouvernements. Gouvernement Satan et gouvernement bon Dieu, on nous lit. Pourquoi comment t'as fait ouais, on est allé prêcher l'évangile au côté pour que regardez ça se passe en Afrique là, pas pour ça regarder en Nigeria. On passe avec madame, on est allé prêcher l'évangile. Et puis ni madame là, ni petite là, et ni pasteur là, pour qui ça le tuer pour l'évangile, il a prêché la vérité, mais mettre la tête dit ça. C'est ce que je dis, il n'est pas tout le temps arrivé. Soit le prêcher l'évangile, pas de parler là, mon n'a pas de temps, parce qu'il aura allé plus devant.
C'est pas ça le cas. Mais c'est normal, il n'y a pas d'accord. Tu sais pourquoi pas qu'à forcer mon nom. C'est ça m'dou. Ou pas qu'à forcer mon nom. Écoutez, mon parler à Binagetel, les bons mauvais esprits qui sont liés, Satan a travaillé dans lui-même, et l'esprit soit papi pour convaincre diable à tout le pour mettre le dehors, pour le venir avec Jésus-Christ, mon ne pas qu'à faire sa vie, mon Dieu. C'est pourquoi, par exemple, le monde a marché dehors à tout le ce qui devoir chrétien, c'est prier pour lui. Le jeune garçon avec marché pantalon, tout derrière, c'est pas lui-même qui t'a coupé le pantalon. Mais Satan utilise, et pas un jeune fille qui t'a coupé le pantalon, et pas un monde qui t'a coupé le pantalon. Mais c'est Satan qui. Attendez ça, attendez, je vais appeler un texte pour vous. Peut-être ça peut vous comprendre un peu les choses. Alors, nous avons Marc 4 devant moi, Marc 4, verset 11-12, m'appelle pour vous. Il leur dit, à savoir Jésus, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ça veut dire, l'évangile qu'a prêché, ça qu'a transmettre là, il va pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde ne va pas accepter. Tout le monde ne va pas accepter. Les gens même les réalité. Ils connaissent bien c'est la vérité. La lapido même elle connaît ses vérités ou dit. Parce qu'elle pas pour lui. Il pas jamais marcher là-dedans. Parce qu'elle pas pour lui. Ou après moun qui besoin bon Dieu, dis-moi maintenant des paroles qui capable transpercer là parce que dis-moi sauve le frère. Peu importe moi de yo, ou après Jésus-Christ, c'est même façon de fonctionner. Ou elle rencontre femme samaritaine là. Quand elle vise dans pile mari il gagne yo. Peut-être moi-même, si je me fais, je dis, ouais, on commence à me juger. Hein? Jésus-Christ visait d'abord. Parce que si on prêche mon nom, c'est pas comme si je me dis, et pas bérer mon nom, qu'a fait mon nom, vient de Christ. C'est dit pour la vérité, j'en ai. Pas dit, pas mon nom, menti. Pas dit, le Christ pour restaurer la ville, pour le bail, Kaï, pour le bail, ceci. Non. Dit, on pas accepter Christ, on souffrir Christ pour Christ, mais pour gagner la vie. Mais si on peut le dire, là, venir avec Christ, tout le bail, bien, tout le bail, bien. Et puis il prend 12 persécutions, il a levé sa vie, il a couru, il a pas sauté mal menti. Frère, bam, du yon bagay. Où est l'évangile? Lui doit prêcher Jean ou Elia. Et tout le monde doit attendre Jean lié. Moun kap sauvé pour le sauver. Moun ki pa vle sauvé pour le périr. Parce que dim sauvé, m'pa pral sauver personne, moun m'pa ka sauver personne, moun ni m'pa mourir pour personne, parce que si mourir pour moun, m'pa ressusciter. Parce que m'pa Jésus que. Là pour me dire mon nom, c'est qui est qui a et me finit. Jésus-Christ va venir pour mon perdu. Jésus-Christ va venir pour mon sauver, ça veut dire. Ah, exactement. Donc on a la question. Ça vous prend comme exemple. Ça doit prêcher l'évangile. Ça fait 10 ans à prêcher l'évangile. Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui peuvent attendre dans 10 ans. Il y a des gens qui attendent maintenant même. Il y a des gens qui peuvent arriver à une position malade. Et puis on les revise, on les dit, ah, il est temps de faire un souhait à parler. Qui ça bon Dieu dans le café? Qui ça bon Dieu bon? Qui ça bon Dieu qu'on opère? Bon Dieu qu'on guérit malade? Bon Dieu casser des chaînes? Bon Dieu faire avec ouel, faire bébé parler? Ça bon l'autre qu'on bon Dieu, non, c'est l'église bon Dieu. Ça veut dire, on ne peut pas nous soutenir là. C'est pour vous mettre ça et mon hôpital là. Pour dire, pardon l'hôpital là, ou même qui t'a mis bon côté. Mon manon c'est Chris Bon. Ou t'a dit, pardon, ou t'a dit, ou t'a dit, perdu, pardon l'hôpital. Eh, t'a dit non. J'aime pas. Eh, frère, t'a dit non. Annoncer Chris Bon, l'évangile, puis y'a là. On comprend? Pas annoncer souffrance, non, mais dis-moi, Chris Bon, Chris a guéri malade ou a, vini pour guérir. Eh, c'est pas ça l'évangile là. Même Dieu, on m'a vini là, ou à l'évangile. Non. On va venir annoncer mon Christ qui s'a guéri ou qui a cessé. Non, ou besoin accepter Christ pour sauver. Si bon bagaille ou a joindre, Christ dit c'est après. Matthieu 6, 33, il dit cherchez premièrement le royaume. Il va chercher guérison. Il va nous chercher la vie meilleure. Mais c'est royaume là avec justice là. Le chercher qu'on y a après, Christ a fait qui choye pour vous. Christ a soulagé vous pour capable de marcher là-dedans. Frère, je ne pas venir dire que je suis pour Christ ou bien pour le bon bel caille pour marier. Ça, je ne peux pas venir dans la bouche, je ne peux pas venir. Si on me dit que je ne peux pas prêcher le monde, il a causé ça, je ne peux pas prêcher le monde, parce que je ne peux pas venir. Écoutez, ça m'a dit, je ne peux pas
parle que de vous finir l'émission. Où est l'évangile? Et c'est l'évangile qui pour piller. Ou bien j'ai bamboché là-dedans, mais c'est pas vrai l'évangile, c'est vrai l'évangile, il n'a pas accepté, non? Peut-être, Jésus-Christ dit by gratuit, ou pas de 5 cents. Ah, mais et mon cap vendu? Mbappé, comment mon cap vendu là? C'est pas ça! Ou dit Jésus-Christ dit by gratuit, qui ça pour by gratuit? Faut pas t'écouter, ça m'a dit. On même comme serviteur bon Dieu. On lit pour serviteur bon Dieu. Ou pas de se connaître avec mon cap vendu l'évangile, qui te rencontre avec Mathieu. Mais non, mais pourquoi Christ placé au la frère? Pourquoi Christ placé? Est-ce que les apôtres ont été gardés pour ne pas dire peuple là, mais ça la Bible dit, souhait ça, ça va bon. Frère Patrick, nous pas de écouter ça. Ephésiens 5, 10, 11 a dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Frère Patrick, vous entendez ce que m'a dit? Oui, m'attendez, frère. Vous êtes serviteur, mon Dieu. Vous travaillez dans le champ. Ou pas bien connaître, ou pas, ou qui l'a ouvrier à t'entrer. Ou tu t'entres à 3h, tu t'entres à 1h, tu t'entres à 2h, tu t'entres à 4h, tu t'entres à midi. Mais sentir, développer tout le monde, même l'argent, ça fait pâle. Si ou moun pas de travail, non, là, non, contexte, texte ou prend, ça on dit là, il n'est pas dans le contexte là. Oui, là, on est en train de parler des mouns qui ont fait des ordres. On est en train de dire que même les mouns, la Bible dit bail gratuit. Maintenant, la question que je te pose, je me demande bail gratuit. Qui ça pour bail gratuit? Faut pas écouter. L'évangile gratuit pour tout le monde. Jésus-Christ dit si tu crois en moi, suis-moi. Ou bien la vie éternelle, ou pas gagner pour payer pour lui. Ou est-ce qu'on dit? Ou dit l'évangile gratuit pour tout le monde. Mais oui. Est-ce que vous avez vendu l'évangile? Est-ce que vous avez là? Ou capable de dire que les biens oui, j'en ai pas occupé de mettre les gens à Jonavel. Parce que la Bible dit, je ne suis pas dit méchant. Je ne suis pas dit péché à ou tu prends le pas bon le péril là-dedans. Ou à payer pour nous. Écoutez, pourquoi nous ne parlons pas de l'empire? Écoutez, ça n'a bien pour qu'on dialogue bien. Si vous frère qui a vendu l'évangile là, pour l'argent, qui te vend l'évangile là, ou même pas vendre pour là. L'arrivée devant mettre là, la bien sorte en fait. Quittez l'aller, pas dire que ça l'a fait à pas bon, quittez l'aller devant mettre pour l'alpéri. Chaque. Et puis, ou même à quoi dire que je dois prier pour eux. La Bible dit non seulement pour prier pour eux, mais il faut aller au jour pour parler avec eux. Fait attendre que ça l'a fait à pas bon et prouver qu'elle pas bon bibliquement. Parce que émission ça, si vous comprenez, ni, li basé comment? Mais ça la Bible dit, mais qui ça y a fait? Maintenant, pour comparer ça y'a fait avec ça la Bible dit, est-ce que ça la Bible dit c'est ça y'a fait? Non, c'est pas ça y'a fait, mais ça y'a fait, c'est pas bon. Parce que dans Esaïe 5, 20, nous pas qu'à avoir lumière pour nous dire c'est ténèbres, ni nous pas qu'à avoir ténèbres pour nous dire c'est lumière qui est liée. Ok, c'est pour la deux bagailles. Pour que deux signes devant là. Au vert, au rouge. Le doux mal à vous-même, vous franchissez rouge là. Ou elle franchit. Et Jésus-Christ qui faut franchir, va le faux prophète, faux pasteur, faux frère qui gagne, faux frère en seul bagage qui gagne. Avant de mourir, s'il va retourner venir nous convertir, il va retourner venir nous mettre, il va le bouler dans l'enfer, parce que Jésus-Christ de là, baille boussole là, Jésus-Christ de là, baille tout ça, moi, avant de dire là, ou après renouvelle, mais ça qui a touché quel homme, qui a l'épée pour toucher quel méchant, c'est Jésus. Moun nou te met wè la fè n'importe sa ka fè, gade moun nou kon ap prêche l'évangile. Moun sa di m'pap jom servi mon Dieu. Et puis tout koun nou wè l'fou pour servi mon Dieu. Le moun Dieu vle pran. Ou te met wè l'maçon, ou gan, lita. Le moun Dieu mette mè fou li, li gade mwen, mwen si ou nan esclave ou gan, mwen lop al esclave mwen. Moun sa fou pour servi mon Dieu, parce que kote moun Dieu pran, nan moun Dieu di, mwen esclave satan, te jote pat esclave satan kon, an mè mwen fwa esclave. Moi-même comme bon Dieu. Et ça, bon Dieu fait notre travail. Là, on faut frapper la machine dans l'arrière, on faut pas faire. Qui ça, bon Dieu fait? Si on faut pas faire, bon Dieu va le habiller. Bon Dieu va le dire. Alors, on est obligé de quitter bon Dieu à Ville sans pas que tu avertis pour dire le retire comme la donne. Donne-nous ces bagailles. Par exemple, le David péché. Ou pense que Nathan t'a prêté pour dire bon David, là, David mourit, là, juge lui, pour ne pas présenter devant David, pour dire David, les choses en face. Parce que bon, nous bagailles. Où est mission ça? Si tout le monde te comprend bien, tu as supposé bénir nos bon Dieu pour ça.
Parce que son paquet de bagaille que vous aidez moun yo a ouais que yo pas bon pour arranger. Parce que dim sauvle dans ignorance ou pas qu'à servir bon Dieu dans ignorance. Ou pas qu'à servir dans ignorance. Peut-être gen moun si m'te pas me dit Christ pour changer la vie ou Christ gen pour le bon faire payer ca là, Christ gen pour ceci, laisse moun ta première mission, mais pendant ce temps la vivre dans péché. Pendant ce temps gen madame yon moun gen mari yon moun nan mel, li pa yon yon alcool tombe sous maligne ça pour le guérir. Donc on a le rester là dans li pas qu'à sortir. Parce que pas de message pour lui. Non. Le moment où nous sommes là, nous ne passons plus de poule encore. C'est le moment pour dire que nous ne sommes pas bon sortir pour sauver l'amour. Parce que si vous faites le contre-frère, nous n'a péri. Mais qui est responsable parce qu'on ne peut pas dire rien. Parce qu'on est obligé de dire la vérité. C'est celle bagaille tout, mon pape jamais rendre mon service pour moi pour me badou ça vrai. Ou te mettre frapper me bailler avant m'a dou vérité après l'ogue bon sens ou avine nous dire soit que vous êtes la lumière, il faut que le ténèbre lumière. Vous comprenez maintenant. Vous placez ça mais pas non placer pour ça. On met des bagailles ou à dire mais des bagailles moi avant pas jamais sinon Jésus-Christ. Mais non, ou pas les femmes pour en janvier. Ou fait que fait ça, met tout dit ou fait. Qu'on a une parole que on transmet, qu'on a ce Seigneur qui peut mettre parole ça au travail dans mon nom. Mais si c'est nous qui avons changé tout le monde, c'est Christ qui a fait, frère. C'est ça qui fait travail qu'on doit faire ou doit faire. Parce que Christ dit, Paul dit, il faut que le laboureur, bon, regardez le texte ça pour vous, pour capable comprendre. Parce que ce n'est pas au monde qui peut le faire, bien-aimé. Ce n'est pas au même. C'est Christ qui a fait affaire lui, mais on même juste là pour capable accomplir ça que Christ m'a demandé pour accomplir. Et puis qu'on a lui-même dans grand amour lui, la permettre qu'il porte fruit. Mais c'est pas vous-même qui pouvez le faire porter fruit. Vous pouvez ça le dire dans 2 Timothée 2. Dans 2 Timothée 2, c'est ça le dit. Il dit numéro 1, déjà le dit que il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Là, il faut quitter la vie, quitter le monde, quitter toute bagage pour attacher avec le Seigneur. Et il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ça veut dire, mon cap marche à folle fonction des gens la Bible m'en déa. Ou pas qu'à une série de mon frère cap marché, il n'a pas baptisé, il n'a pas selon la Bible, il a quitté la Bible là, et puis il va aller dans le monde, et puis pour garder, vous dites, frère, bon courage dans la route, et vous allez dans la bonne route, non? Ou bien, il menti. Ou quand il dit, ouais, c'est dans tout, il va aller voir la vidéo, il dit, allez, bonne route. Oh, on connaît plus devant la vie de notre roi. Ou obligé de dire la vérité, même l'aile pas d'accord. Elle dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc, si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas recueillir les fruits. Et les fruits, ça, c'est le Seigneur qui permet que les pieds bois pour te donner. Mais dis-moi, sauve-le. Si je vais camper là, bon, bien-aimé, nous connaissons. Et bon Dieu, son bon Dieu qui grand. Et l'a changé la vie. L'a netto. Dans la situation, il a changé quand même. Ça pour y avoir quand même. Et... oh, comme ça, oui, frère. Je ne sais pas, Paul t'a dit bagage ça, non? Et pourtant, moi, Paul camper dit, frère. Ah bon, mais parfois, tout. Et que des gens ont parlé. Pas moutou, ça Paul dit. Ou parole là, c'est même Jean Douce, moi, parle là. Mais, pas parler à propos. Attends, petit moment. Bon, petit moment après ma bonne la parole. Pas de nous, on pas jouer. Bon, moi, des gens ont cité à voir. Et si mon n'a pas l'a dit, mais comment Michel a excité comme ça? Ça veut dire, bon Dieu, on s'agit. Mais non, ça paraît l'excité. Bon, et le pas de jouer. Si on moun dit violent, on pas aucun problème avec vous. Si on dit violent, on violent contre vagabond, on violent contre péché, on violent contre magouillé, on violent contre moun qui a bamboché. Mais moun qui a marché droit, yo pas jamais violent parce que pas jamais Jean-Baptiste violent, pas jamais Jésus qui était violent dans le sens négatif, mais yo était violent contre tout ça qui contrait qui l'a pour déstabiliser bonne marche l'évangile. Oui, mais Frère Patrick, écoutez Frère Patrick. Qui
qui ça cherche? Qui ça Jésus-Christ vous a cherché? Mais Jésus-Christ, apôtre Pierre te conseille. Vous voulez me répondre qui ça Jésus-Christ vous a cherché? Attends, écoutez, Jésus-Christ vous a apôtre Pierre te conseille pas son. Jésus-Christ nous parle prêcher d'homme. Mais qui sont parle prêcher? C'est des vagabonds qui parlent prêcher. C'est des vagabonds qui parlent prêcher. Ou on pas comprendre moi? M'a parlé des vagabonds dans l'évangile. Écoutez. Parce que papa, j'ai oublié qu'elle me dit que moun qui dans le monde l'homme pas parler pour lui parce qu'elle pas gagné la loi de Dieu, lui qui a fait salve, moun pas qu'à juger parce qu'elle a mené ville dans le monde. Mais yon nèg qui gagne Bible nan mil, qui fait moun croire que c'est moun bon Dieu lié, li gon paquet moun devant qui a fait des ordres, moun sa après ou fin pas la veille ou dit sou li elle pas bon, ou pas qu'à jouer moun ça encore. Alors de là ça fait rectification parce que écoutez, l'homme dit vagabond. Ou dit pour tout. Qu'on dit. Non. Je ne dis pas pour tout. Parce que quand qui a vagabond, je ne vais pas prêcher pour. Je ne vais pas prêcher. Je ne vais pas critiquer le monde. Ou bien parler de monde qui vivent dans le monde. Ça pour me faire pour le monde. Je ne vais pas critiquer le monde qui prostitue dans le monde. Mais le monde qui dit l'église prostitue dans le monde, c'est normal pour me dire prostitue par là-dedans. Même si je dis Jésus qui a ballon bel, il t'a protégé pour le côté. Pour ça, c'est ça, c'est pour n'amni. Et pas fatra la tête, attendez. Parce que fatra la tête, la mouille, la petite, ça pas pitié, il y a quand même. Mais le besoin tendait que façon la Bible n'est pas bon. C'est ça le besoin pour le sauver. Bon, bon, bagay. Dès que vous attendez l'évangile plus pour nos oreilles, ça, qui ça fait pour vous? Il y a toujours Kayougan. Il y a toujours Madame Moun. Il y a toujours Marie Moun. Il y a toujours fait fraude. Il y a toujours un paquet de bagay qui n'est pas correct. Est-ce que ça a changé? Là, c'est ça. Il y a un paquet de neglecte qu'on a dragué Madame Moun, qui a commencé à ramasser pieds. Écoutez, qui s'est fait ramasser pieds parce que autant de messages sous ça. Ça vous pouvez pas dire, ça vous a dit moi. Vous t'a dit moi, bon, moi je viens pour une émission. Je parle pour une émission sur mon église qui a marché mal. Non, attendez. Écoute. Ok, allez, maintenant. Et pour moi, je vais vous dire. Frère qui a marché mal dans l'église, on pied en dos, pied dehors. Quand il y a un gant, parce qu'il a marché mal. Si nous pas changer, nous pas l'enfer, nous pas le bouler. Non, mais attendez. Parce que n'avec pas la parole. Il y a tant de bagages ça, écoutez-moi. Non, mais c'est pour ça aller direct dans l'évangile. Direct dans ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez? Prends Bible là, dis qui sa Bible a dit, et qui ça fait, et fait comprendre que dans l'outil, elle n'est pas bon. Et puis de toute façon, tout frère. Bon, dis-moi, bagaille. Mais nous, on va partir. C'est là. Comme la sauf faire émission. Et après, on a pris la Bible. Ok, d'accord. Pas un problème. Écoutez, ou même là, ça va faire vagabond. Bon, dis-moi, pour frapper en pile, pour changer, oui. Il y a un pile où il faut passer par un carougan. N'est-ce pas pour le beau pasteur, oui. Parce que bon Dieu pour casser les ailes. Parce qu'il commence à casser les ailes en pile. Parce que lorsqu'on s'invite à faire, on parle l'évangile mal, c'est bon Dieu fait parler mal, bon Dieu pour agir avec. Lorsqu'on fait entrer dans l'église, pour faire bagaille sale, c'est bon Dieu en a pas. Mais mon nom, c'est pas dans l'église.